plus juif que Brooklyn, tu meurs. Un habitant de Brooklyn sur 4 est juif. Il y a plus de juifs aujourd'hui à Brooklyn que partout ailleurs dans le monde, y compris Tel Aviv ou Jérusalem. Ils sont 600 000 à peupler ce borough new-yorkais et ce chiffre atteignait les 900 000 dans les années 1940. Au passage, au cours du siècle dernier, Brooklyn a vu naître des personnalités juives de premier plan. Barbara Streisand, Ruth Bader Ginsburg, Lou Reed ou encore Woody Allen, pour ne citer que. Mais remontons un peu le temps. La genèse du Brooklyn juif a commencé en 1654, lorsque Asher Levy, un séfarade brésilien, fut parmi les premiers juifs à arriver à New York. La migration juive massive vers Brooklyn a quant à elle été simulée deux siècles plus tard par l'ouverture en 1903 du pont de Williamsburg, qui rattachait le borough à Manhattan, côté Lower East Side. Ce pont avait même été surnommé l'autoroute des Juifs. L'immigration hassidique vient grossir la démographie juive de Brooklyn après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée de survivants des camps d'extermination nazis et des ghettos d'Europe de l'Est. Un phénomène de gentrification et de mixité débute un peu plus tard, dans les années 1960, avec un afflux de juifs laïcs de la classe moyenne. Ces derniers sont concentrés à Ditmas Park et Park Slope, avec de plus petites populations pratiquantes et culturellement juives à Brooklyn Heights, Cobble Hill, Brighton Beach et Coney Island. Quant à la large part de la population orthodoxe ou hassidique de Brooklyn, elle est concentrée dans des quartiers tels que Borough Park, Williamsburg, Crown Heights et Midwood, où se trouvent de nombreux yeshivas, synagogues, restaurants kachers et autres commerces communautaires. Les fidèles des différentes mouvances peuvent choisir parmi 120 synagogues, représentant pratiquement toutes les nuances de la pratique juive moderne, du spectre orthodoxe à la mosaïque culturelle des séfarades. Certaines synagogues sont ardemment sionistes, d'autres sont hostiles à l'État d'Israël. Certaines sont habitées par la langue yiddish, d'autres parlent russe ou l'hébreu. C'est également à Brooklyn que vous trouverez le 770 pour 770 Eastern Parkway dans le quartier hassidique de Crown Heights. Par ce simple numéro est désigné un lieu central, le siège du mouvement hassidique Chabad, Lubavitch, qui fut aussi la résidence et le bureau du 6e rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, de 1940 jusqu'à son décès en 1950, ainsi que du rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, dès son arrivée aux États-Unis en 1941. Le 770 est aussi une immense yeshiva, émergeant une des plus grandes librairies juives au monde. Et puisque l'on parle de livres juifs et de savoir, autre fait frappant, en 1934, le Brooklyn Jewish Center inaugure l'American Library of Nazi Ben Books. Le but de cette bibliothèque était de constituer une collection de livres interdits et brûlés. Et le conseil consultatif de ce projet comprenait notamment l'éminent Albert Einstein. Se balader à Brooklyn aujourd'hui est une expérience en soi, l'occasion de voir se côtoyer le moderne et la tradition, les shtemels et les bonnets bimis des hipsters, les restos branchés, les deli glatt kosher.